Bien sûr. Alors je vais tout de suite, je vais vous gifler. Bah, allez-y, allez-y. Est-ce que David Bowie est bien des années 80? Ah bon, peut-être non. Non mais. Oui, maintenant, oui. Bon, Ziggy Stardust. Ah c'est Bowie, avant. Bowie, qui est actuellement à Paris, à la Philharmonie, pour une très belle exposition. Ouais. Ziggy Stardust, c'est qui? Bowie. Non, c'est parce que j'étais quand même assez psychédélique que Ziggy Stardust. Ah d'accord. Ah bah dis donc, mais je vois pas. C'est ce studio où je suis allé avec les Sunlights. Ah ouais. Et ouais ouais. Et Chris Sandford, qui est le producteur que Vanloo va séduire et qui va dire ok, je vais produire un disque des Sunlights parce que les Sunlights. On n'en dira pas plus. Et donc. Je crois que ça va être bon cette émission. Ouais. Non non mais c'est vrai. Bah oui si c'est vrai. Et donc Hotel Bea qui est. Il y a Douanier qui plonge, qui sauve Adolphe. Et le mec qui est au bar. T'as raison, Adolphe. C'est le douanier qui a sauvé Adolphe. Ah, d'accord. Donc, belle histoire d'amitié. Belle histoire, ouais. Ouais. Bon, tout ça pour dire qu'un jour, il en a eu marre et le rock'n'roll est arrivé. Et l'un des plus grands chanteurs de rock'n'roll qu'on ait connu en France, qui n'était pas français bien sûr, parce qu'il était anglais, ça aurait pu être Peter Blanca, mais il s'appelait Vince Taylor. Oui. Et Vince Taylor, que j'ai bien connu par la suite. Rien que ça. Musique qui va tout chambérer. Alors, moi, ce que je propose, on va écouter ce titre-là, si vous êtes d'accord, hein, Jean-Noël, évidemment. Vous connaissez aussi le principe de notre émission, puisque l'émission, c'est 80 à l'heure, donc c'est aussi de la musique des années 80. Là, on est à 120, là, c'est clair, on est à 120 à l'heure. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'effectivement, on écoute ce titre-là. On embraye aussi avec un titre des années 80. Je sais que tu as un David Bowie oui. De derrière les fagots assez sympa. China Girl. Voilà. Donc, et ben, moi, je dis qu'on est.